Je vais pas dire que ça va être comme ça. Direct de temps à autre de Manu, histoire de vous dire que ouais, le moteur il tourne bien, y a pas de problème. Mais en fait, c'est non. C'est pas tout à fait le moteur qui fait ce potin. Oui, bien sûr, il fait quand même 280 cm cube ce bruit-là. Ouais. Mais c'est pas le moteur qui fait ce bruit-là. Non, non. Regardez, j'ai un lire-temps de l'oreille. Peut-être pas replié là, peut-être, on ne sait jamais. Attention, c'est maintenant, regardez. Suite à ce genre de vol. Bref, une hélice volontairement un peu trop petite pour ça, justement. Un peu trop petite, donc un peu trop rapide. Et un peu trop rapide, et bien tout simplement, juste pour me faire mentir un passage très basse vitesse pour les sorties, regardez ça. Avec la musique du film Quand les aigles attaquent. C'est 40 des kilos. Et je vous rassure, on va remettre les chevaux d'un prix. Autrement dit, ce ragement sur le vent rageur que vous entendez, c'est l'hélice qui passe en permanence à plein gaz et la vitesse du son. Tout ce bruit infernal est voulu pour le show. Regardez ça! Ah, ça promet. Ça promet. Voilà qui laisse bien augurer de l'ensemble du week-end. Météo d'enfer. Avion qui n'est pas moins pour ouvrir. Regardez bien, sortie du train devant vous, voilà. L'atterrissage à allure frêle doit supporter une masse de plus de 40 kilos à l'atterrissage. C'est pas forcément sage. Pas droit les mains. C'est comme ça. Eh ouais. Étape. Vent d'arrière. Étape de base. Et quasiment sur le final de cette musique de film d'anthologie. La courte finale. La première. P47 de l'ami Coco. Regardez ça, c'est top synchro, c'est géant. Et c'est joli, et ça s'applaudit. Merci Coco, voilà. J'adore ça. Et merci Thomas pour la zik, pile top synchro. Ah, c'est génial, c'est génial. On va ramener la machine, bien sûr, on aura l'occasion, bien évidemment, de la revoir, non seulement tout au long de la journée, mais également tout au long...